Bonjour, bonjour, c'est Monique, live de Aisden, près de Verneau. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils. Il a 13 ans. Donc aujourd'hui, il y a 13 ans, j'ai eu mon petit garçon. Et évidemment, j'étais vraiment très très contente. Et même aujourd'hui, je veux dire... La maman et un fils, c'est quand même une relation spécifique, spéciale. Avec mes deux enfants, j'ai des relations vraiment spécifiques, différentes avec les deux, mais tout autant spéciales. Et ça, c'est marrant. Petite anecdote, quand j'avais ma fille, donc elle va avoir 18 ans dans 2 semaines. J'ai toujours voulu avoir 2 enfants. Mais je ne pouvais pas m'imaginer que je pouvais aimer un deuxième autant que je pouvais aimer le premier. Et une amie, peut-être elle regarde, je ne sais pas si elle reconnaît ce que je dis. Une amie dans ce temps-là, elle m'a dit, Monique, écoute, quand tu auras ton deuxième enfant, tu auras un deuxième cœur. Parce que tu aimeras autant le deuxième comme tu aimeras la première. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et le fait que tu peux aimer tes enfants autant, mais chaque a une autre manière, parce que je veux dire, je ne sais pas, c'est avec un je suis complice, plus complice, avec l'autre c'est plus fou, je ne sais pas comment je dois expliquer ça. Donc c'est là où je viens sur la reconnaissance, que tu es contente avec ce que tu as, parce que mon fils de Kélik, il a tendance à être un peu plus souvent mécontent. Je veux dire, ma fille, Miwen et moi, on est contente avec une petite fleur, avec une petite chose. Ce n'est pas le prix du cadeau qui est important, c'est l'effort qui est derrière. Donc, je peux être plus contente et vraiment réjouie de recevoir quelque chose de 5 euros avec une belle lettre ou un beau poème qui va avec, qu'avec un cadeau de 500 euros qui a été cherché en vitesse parce qu'il fallait encore donner quelque chose. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà. Mais mon fils, il a tendance à être un peu plus mécontent parce qu'il vise très haut. Et donc quand c'est moindre que ce qu'il avait pensé, il peut être un peu déçu. Et donc c'est parfois un peu difficile pour son anniversaire. Donc je suis curieuse comment ça va aller ce soir quand il va avoir ses cadeaux. Mais pourquoi je dis ça? Parce que je suis souvent frappée par la mécontentement des gens. On a droit de tout. On ne doit rien faire, c'est mon droit d'avoir ceci, c'est mon droit d'avoir cela. Et moi personnellement, je pense qu'on vit dans une société où on est de plus chacun pour soi, et au lieu d'être pour les autres, être là pour les autres. Et je trouve ça dommage. Donc je dis souvent à mes enfants, c'est mieux d'aider quelqu'un ou d'être là pour quelqu'un. Même si c'est un tout petit peu, ce n'est pas toujours important que c'est beaucoup. Mais même les tout petites choses, ça valent beaucoup. Et donc j'essaie de leur apprendre ça. Et je leur dis aussi souvent, regarde, tu n'as pas su choisir où tu es né. Mais si tu étais né 5 km plus bas, tu étais dans une autre situation qui était nettement, nettement, nettement inférieure à ce que tu as maintenant. Donc voilà ce que je voulais vous demander pour aujourd'hui. Soyez contente avec ce que vous avez. Essayez le matin de penser à 3 choses qui sont importantes pour vous et qui vous rendent heureux, heureuse, et le soir également. Donc chaque matin et chaque soir, pensez à 3 choses qui sont pour lesquels vous êtes content. Et ça va changer vraiment votre attitude, votre esprit et la manière de penser sur les choses. Et si tout le monde ferait ça, je pense qu'on aura un peu un monde un peu meilleur, un peu plus joli comme le temps d'aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est mes 3 minutes, j'espère que ça vous plaît. Et si c'est le cas, mettez-moi un petit cœur en dessous. Si vous avez des questions, vous savez me trouver. Si vous regardez ça en replay, mettez replay que je peux vous remercier.
Et je vous dis bonne journée. Profitez bien de cette belle journée et à bientôt. Bisous, bisous.